Salut Cyrou, aujourd'hui on va apprendre à jouer un solo de blues épique, c'est parti! De vous retrouver pour un blues électrique, un solo de blues épique, si vous me permettez, puisqu'on va avoir des rythmiques assez rapides et puis tout un tas de petites notes, de petites décorations. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a même pas commencé que tu es déjà. Pas du tout épique ton solo, hein? Ah, qu'est-ce que je peux répondre? Tous les solos de blues sont épiques, mon vieux, hein? Tu sais, il suffit juste de trois notes. Mais bon, si ça te suffit pas, bah écoute, t'as qu'à aller retourner. Écoutez tes trucs de speed metal super symphonique, là, t'en auras des solos épiques. Si vous suivez la chaîne Roux Guitare, eh bien, vous savez que j'ai écrit tout un tas de blues acoustiques et électriques, du plus simple au plus élaboré. Donc, ouvrez la description de cette vidéo pour accéder à mes playlists. Si ce qu'on va voir aujourd'hui est encore un petit peu trop avancé pour vous, eh bien, aucun souci, puisque j'ai écrit ce blues. Le blues le plus simple au monde, c'est un blues qui se joue seulement avec trois cases et je suis certain que vous allez réussir à le jouer. Allez, c'est parti, je suis vraiment impatient de vous montrer ça. Vous allez voir les tablatures apparaissent à l'écran et puis si vous ouvrez la description de cette vidéo, il y a un petit raccourci pour accéder à la version où je le joue un petit peu plus lentement avec la tablature qui défile. Je vous rappelle que les tablatures en PDF et Guitar Pro sont disponibles sur Tipeee à partir de 1€ et puis vous avez également la backing track. Pour résumer ce blues, eh bien, il s'agit d'un blues en 12 mesures, un blues en mi, où on va avoir de la guitare rythmique et de la guitare solo qui s'entrecroisent. Le premier truc que je souhaite vous montrer, eh bien, c'est cette rythmique, dans le plus pur style Steve Ray Vaughan. Et on a un power chord avec la corde avid mi et la quinte, le si à la deuxième case et puis la quatrième case. Donc on alterne 2, 2, 4... 4, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 2. Alors, pour rajouter du groove, eh bien, on va donner un coup de médiator vers le haut avec la corde à vide de mi et de si. Donc, ça va faire... Vous voyez que je commence déjà à bouger ma tête parce que ça donne vraiment envie de bouger quand on entend ce type de rythmique blues rapide. Donc, corde à vide, deuxième case... Corde à vide, quatrième case. Et vous allez étouffer un petit peu en même temps, donc pour avoir justement eh bien, ce son crédible, sinon ça va faire ça on n'en veut pas. On va démarrer en introduisant le premier accord, donc on va dire que c'est une rythmique sur un mi septième. Et on va avoir la corde à vide de si, donc eh bien pour suivre notre accord sur un mi. Et un hammer-on à la deuxième case. Et la corde de mi aigu à vide. Au lieu d'enchaîner directement sur une rythmique en la, donc une corde plus bas, vous connaissez quand même les bases du blues, je pense, si vous suivez cette leçon. Eh bien, en fait, on va suivre les notes... Et donc cette phrase, eh bien, elle est basée sur la gamme de La majeur pentatonique. Alors, je vais très très vite, hein, vous êtes censé la connaître. Et on va avoir besoin de faire ressortir la couleur du La septième. Et donc il nous faut un Sol, il nous faut cette septième mineure. Donc là on a la tierce majeure. Et là la septième. N'oublie pas le petit vibrato dans l'esprit B.B. King. Donc, je vous l'avais déjà expliqué dans la leçon, je ne me souviens pas, mais j'ai fait un tuto où je, voilà, sur les trois trucs simples pour mieux faire sonner sa pinta. Vous allez détacher un petit peu le pouce du manche
et faire un petit geste comme si vous essayiez avec votre corde de poncer la frette. Donc vous feriez à peu près le même mouvement, bon, sans trop appuyer quand même. Et donc, en laissant ce poignet libre, vous allez obtenir un petit vibrato. Je vous rappelle que sur la chaîne Roue Guitare, je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner en activant la cloche des notifications pour être informé dès que je sortirai mon prochain tuto, peut-être celui qui va vous aider à débloquer votre jeu. Et ensuite donc, c'est suivi par ce petit remplissage super sympa. Je vous le cache pas, ça va vous demander peut-être un petit peu de travail pour le placer rythmiquement. Demi-barré, corde de sol et si, deuxième case. Remontez la main et donc deuxième case, corde de ré. Hammer on, pull off, 0-1, 0-1. Rapidement. La phrase sur le si septième, eh bien, elle reste dans le même principe que celle sur le la septième, c'est-à-dire qu'on va suivre les couleurs de l'accord de si septième avec, à cette huitième case, corde de sol, un léger bend pour sonner un petit peu désaccordé, un petit peu bluesy. Alors, vous allez donc, en fait, placer déjà votre index en demi-barré à la septième case, et puis... Huit, sept, sept, dix, sept, neuf, neuf, sept, sept, neuf, sept, dix, avec le petit doigt, demi-barré, septième case, pull-off corde à vide. Ensuite, à la 7e et 9e case, on va avoir un petit sextolé, oui, enfin un demi-sextolé, on va dire. Donc vous allez jouer comme ça. Avec le hammer on, pull off. Pour terminer, on a ensuite cette phrase sur un la 7. Celle-là, elle est très très simple, en fait. On va jouer juste des triolets. Et donc ensuite, eh bien, le turnaround, donc sur le passage avec le mi 7, la 7, mi 7, si 7. Bon là, c'est vraiment quelque chose que j'ai écrit à l'oreille, donc j'ai vraiment pas regardé les notes. Je me suis dit bon, ça devrait sonner si je fais un petit peu de. Toujours le coup de médiator vers le haut pour les petites cordes à vide. Vous pouvez faire un double stop en laissant glisser et résonner la corde de si et la corde de sol ensemble. Alors là, il va falloir un petit peu de souplesse pour faire le slide très très régulier. Ne faites pas... Travaillez ces quatre notes. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous le replacez dans le contexte. Donc, assimilez-le ce turnaround, mémorisez-le avant d'essayer de le jouer plus vite. Voilà donc, vous êtes toujours là. Eh bien, super, merci bien. Maintenant, on va le jouer avec la tablature qui défile. Si ça va trop vite, vous vous souvenez, il y a le petit engrenage pour ralentir la vitesse de lecture. C'est parti. 1, 2, 3, 4.
1. Ça me fait super plaisir de vous avoir écrit ce petit blues, j'espère que vous l'avez aimé. Souvenez-vous de vous abonner à la chaîne Roue Guitare et d'activer la cloche des notifications, comme ça vous serez au courant dès que je sortirai un prochain tuto qui, j'espère, va vous aider. Merci beaucoup, très bonne journée, très bonne semaine, à très bientôt. Bye bye.